Bon, visiblement, je dois décorer un gâteau. Je vais prendre du glaçage noir, obligé. Allez, je m'y mets. Ça ne devrait pas être trop dur à faire. Il faut juste que je reste constante en faisant le tour du gâteau. Maintenant que j'ai mon cercle, je vais tracer un trait en plein milieu et un autre dans l'autre sens. Et je vais aussi faire des traits en diagonale. C'est étonnamment simple. Une fois que c'est fait, je vais relier des petits traits pour relier toutes mes diagonales. Ces mini-cercles vont donner l'illusion d'une toile d'araignée. J'ai fini ma toile d'araignée. Je vais juste ajouter un contour au gâteau. Ça, c'est vraiment très simple. Il suffit de faire des petits tourbillons. Et de continuer sur tout le tour du gâteau. J'ai fini tout le glaçage noir. Donc, je vais devoir utiliser les biscuits noirs. Je vais les émietter et en mettre un peu partout sur le gâteau, tout en faisant en sorte que ça donne envie. Pas mal, mais le gâteau n'est toujours pas assez sombre. Du coup, je vais utiliser cette bombe de peinture noire comestible. Oh, Enid arrive! Ah, ce gâteau change de l'habitude. Il est sombre et morbide. Mais je peux arranger ça avec des chamallows de couleur. Je vais en mettre partout sur le dessus du gâteau. Trop mignon! Mais il manque encore quelque chose. Des bonbons de couleur. Des vermicelles arc-en-ciel. Ouais! Au moins, cette moitié de gâteau est plus joyeuse. Un gâteau donne toujours plus envie quand il est coloré. Hey, Enid, tu as complètement gâché mon gâteau. Hé, hey, tu veux dire que je l'ai embelli, je crois. Stop, on ne se dispute pas à propos de la décoration du gâteau. Toi et toi, vous avez toutes les deux besoin d'un plus gros défi. Ouf! Oh là là, je crois qu'elle nous a téléportés dans un défi. Effectivement. Et ça va être un défi de décoration de gâteau. Salut vous deux! Comment vous trouvez ma robe? Elle a des volants. Oh, elle est sympa, non? Sympa, c'est tout ce que vous avez trouvé à dire? Bon, super, allez que le défi commence! Un défi sur le thème de la robe! Oh, des chamallows! Ça commence bien! Ces bonbons colorés et tout mousse sont vraiment une abomination. Il va falloir que je me fabrique quelque chose qui me correspond mieux. J'ai cette pâte à sucre noir, je peux la modeler comme de l'argile. Je vais d'abord lui donner la forme d'une robe. Et maintenant que j'ai la forme grossière, je vais l'affiner un peu mieux. Ce petit bâtonnet va m'aider. Et maintenant, il me faut une autre couleur. J'ai fait un boudin, c'est la forme qu'il me faut. Je vais le couper avec mon couteau, je n'ai pas besoin de tout ça. Voilà, c'est la quantité parfaite et je peux la remodeler correctement. Je vais devoir faire ça sur tout le bas. Maintenant, je prends la forme de robe noire que j'ai faite. Ensuite, je vais avoir besoin de pâte à sucre pour faire le drapé. Et un autre là, c'est comme faire un mannequin. Je vais ajouter des boutons et un peu de relief au tissu. Ça prend forme joliment. Et maintenant, je prends de la pâte à sucre blanche. Je vais l'étaler pour obtenir un disque grand et fin. Et je vais utiliser ma lame pour découper les formes dont j'ai besoin. Ce n'est pas évident à manier, donc il faut que je tienne bien la pâte pour qu'elle ne bouge pas. Voilà, j'ai fait un col blanc pour ma tenue. Je reprends ma pâte couleur chair. Il faut que je lui donne la bonne forme. Un autre boudin. Et je vais reprendre ma petite lame. Je fais des bras. Et une main, avec des doigts. Plus qu'à ajouter des manches sur ses bras démembrés et une bande de blanc pour montrer les manches de la chemise en dessous. Plus qu'à mettre les bras à leur place sur le corps. Je vais lui faire croiser les bras, c'est bien comme ça. J'avoue que ce n'est pas moi qui ai fait la tête, je l'ai volée à une poupée. Viens avec moi poupée, tu vas être collée à ce gâteau. Elle est prête. Et maintenant, il faut que j'ajoute ces horribles chamallows. Au moins je leur plante des pics dedans, ça j'aime faire. Il faut que je termine de recouvrir tout ça avec les chamallows. Je sens qu'il manque quelque chose. Mais oui, je vais prendre ma bombe de peinture noire comestible tout simplement. Oh, c'est une vraie galère de mettre cette robe. Les manches tombent toutes seules. La 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 la, que faire? J'ai tellement de possibilités. Il faut que je laisse l'atmosphère qui m'entoure m'inspirer. Oh, ce tulle est coincé dans mes ongles. Ah, c'est pénible. Allez, arrêtez toutes les deux. Hein? Comment c'est arrivé sur mes ongles? Le temps a été coulé. On va voir ce que vous avez fait. Bon, ce n'est pas aussi sombre que je voulais, mais voilà mon gâteau robe. Et vous voyez, j'ai bien utilisé les chamallows comme demandé. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Je ne peux pas mettre de lunettes avec cette robe. Alors voyons voir ce qu'on a là. Ah oui, en fait, il faut quand même que j'ai mes lunettes pour voir quelque chose. Dites donc, c'est très mignon. Elle est vraiment adorable. Elle n'est pas adorable, elle est la noirceur incarnée. Oh, eh bien, j'ai un chocolat chaud. Non, désolé, ça ne va pas suffire. C'est mercredi qui gagne. Cela va sans dire, c'était évident. Excellent travail sur ton gâteau robe. Je suis trop contente. Wow! Oh,
Hey, écoutez un peu ce super son. Attends, c'est quoi ça? Une souris? Cette animation est épouvantable. Oh. On va passer au défi suivant un jour. J'ai dit host, sale rongeur. Phew, voilà. Allez, on s'y remet. On va partir sur le thème de la souris. Une souris? Sérieusement? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Et voilà l'ingrédient à utiliser. Je crois que j'ai une idée. Bouge de là, cheddar, inutile. J'ai bien mieux. L'odeur envoûtante du roquefort. Génial! Vas-y, fais donc joujou avec ton fromage qui pue. Je me mets au travail. Alors, j'ai ma pâte à sucre à la couleur du fromage. C'est parti. Il faut que je la malaxe un peu pour avoir la bonne texture. Ensuite, je vais l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Je veux que le fromage, la pâte, soit bien fine pour la suite. Je vais utiliser cet emporte-pièce pour découper des disques dans la pâte. Un petit trou parfait, enfin, quand j'aurai enlevé la pâte au centre. Voilà, je vais en faire d'autres en utilisant des emporte-pièces de différentes tailles. Maintenant, je vais mettre ces petits disques sur le fromage directement. Oh, pas mal! Et là, je vais appliquer du glaçage avec ma poche à douille. Je veux une ligne très fine sur tout l'angle. Et aussi sur le contour des cercles, de tous les cercles, les grands comme les petits. Ouais! Oh là là, on dirait un fromage de dessin animé! Mais je n'ai pas encore fini. Je reprends ma poche à douille. Je vais prendre un jaune plus clair pour faire quelques points. Ensuite, je dessine quelques lignes droites. Il faut qu'elles soient droites et bien collées. Alors, j'y vais doucement. Ça devrait aller. Ça a ajouté un peu de profondeur. Hihi, c'est dingue à quel point c'est réussi. Oh, et là, on a mercredi. Encore et toujours avec du noir et du gris. Dis donc, je suis surprise de la vitesse à laquelle j'ai fini le mien. C'est parce que tu as accaparé le rouleau à pâtisserie. Là, je vais pouvoir enrober mon roquefort de cette pâte noire. Et voilà, du fromage noir pour la vermine et pour vous. Oh, pour que je goûte, eh ben, je ne vais pas me faire prier. Tiens, donne-moi ça. Tu as fait un gâteau vraiment très ressemblant. Je vais goûter. Oui, faites donc. Oh! Oh là! Oh non! C'est du fromage moisi! Je ne prends pas les farces à la légère! Toi, mercredi, tu sors d'ici! Au revoir, mercredi! À bientôt, peut-être! C'était un peu effrayant! Oh! Tu es qui? Mercredi! Oh! Je vois! Alors, maintenant que mercredi est revenu, on va pouvoir s'y remettre! Elle passe son temps à faire ça, mélanger des trucs. C'est quoi cette odeur? Oh non, ça brûle! Non, stop! Arrête de brûler! Comment je fais? L'air a pris une odeur un peu âcre. Oh là là, cette situation me fait perdre tous mes moyens! Un pop-it, ça va m'aider à me calmer. Hé, mais attendez, ce pop-it est une super idée! Pour vous deux! C'est dans nos cordes, madame la chef! Tenez, voilà vos bases de gâteau. Qu'est-ce que je peux faire pour faire penser à un pop-it? Ce bras ne va me servir à rien. J'ai un crâne. Ouais, ses yeux sont pile ce qu'il me faut. Quoi? Tu viens vraiment de coller des yeux sur ton gâteau? Même venant de toi, ça me dégoûte. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus drôle. Et pour ça, je vais seulement avoir besoin de chocolat blanc et de crème. J'ai mélangé les deux et je vais remplir les moules en silicone. Ils ont une forme de demi-sphère, donc ils se remplissent vite. Étape suivante. Le colorant alimentaire. Je vais ajouter quelques couleurs de différentes couleurs. Et ensuite, je mélange avec ce cure-dent. Pas besoin d'avoir un mélange bien homogène. Le pop-it était de plein de couleurs différentes. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est bien vive. Et une fois toutes mes couleurs faites, je vais mettre mes sphères au congélateur. Et voilà, c'est prêt. Je n'ai plus qu'à les disposer en ligne sur mon gâteau. Comme un pop-it arc-en-ciel. Mais un qu'on peut manger cette fois. Stupide feu! Oh, pourquoi il ne s'éteint pas? Oh génial! D'autres pop-its, ça va me faire du bien! Je pourrais peut-être aller faire un petit tour. Plus que quelques yeux à ajouter pour terminer mon gâteau. Parfait, c'est pile ce que j'imaginais. Waouh! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? On dirait que quelqu'un a déclenché un feu! Enfin bon, montrez-moi donc vos gâteaux! Et voilà! Le mien est bien coloré avec plein de bulles à presser. Enfin, n'appuyez pas vraiment dessus! C'est très réussi, Enid. Quoi? Cette supercherie colorée lui plaît? Je vais lui montrer ce que j'en pense. Mon gâteau est fait pour lire ton âme. Mercredi, tu vas encore trop loin! Vous savez quoi? Vous avez toutes les deux fait du très bon travail. Ouais! On gagne toutes les deux cette fois! Le seul gagnant ici, c'est ce crâne, parce qu'il n'y a plus d'yeux pour voir ton gâteau. Ouais, d'accord, si ça peut vous faire plaisir. Le bleu est vraiment ma couleur. Je le mets. Waouh, d'où viennent toutes ces couleurs?
Bah, trop de couleurs, je déteste. Ça ne sert à rien. Désolée, mais ça me donne une idée. Un arc-en-ciel. Non, je vais vomir. Oh, elle est partie. Pas grave, moi je n'ai pas de problème avec les arc-en-ciel. Elle est vraiment partie parce que les arc-en-ciel lui donnent la nausée? Infirmière, j'ai vu un arc-en-ciel. Et ils veulent que j'en fasse un moi-même. Je vais d'abord prendre les pâtes à sucre de mes couleurs préférées. Je vais les malaxer jusqu'à avoir la couleur que je veux. Oh, celle-là est pas mal. C'est dingue de voir à quel point cette pâte est flexible. Et c'est très amusant à travailler. J'adore. C'est bon, j'ai mes différentes couleurs. Il faut juste que je leur donne un peu forme. Forcément, je ne veux pas de boules. Je veux de longues lignes fines. Après tout, c'est la meilleure manière de faire un arc-en-ciel. Je les rassemble. Et là, je peux donner la courbure de l'arc-en-ciel. Oh, c'est déjà trop mignon! Je vais utiliser ce cutter pour retirer les excédents au bout. Maintenant, je prends mon gâteau. On y va! Il est haut! C'est parfait pour un gâteau arc-en-ciel! Waouh! C'est vrai que ce superbe gâteau est très haut! Alors, j'ai mon arc-en-ciel. Ce ne sont pas les couleurs classiques, mais ça me plaît! Je vais le déposer sur le haut du gâteau. Ensuite, j'ai différentes boules de pâte blanche. Et je vais en faire des nuages. Je vais juste leur donner la forme que je veux avec mes doigts. C'est tout simple. Mais non, ils sont trop mignons! Il faut juste que je vérifie qu'ils rentrent aux endroits que je veux sur le gâteau. Je reprends ma pâte blanche. Celle-là, je vais l'étaler. Il faut qu'elle soit bien aplatie pour pouvoir découper différentes formes. Je prends mon cutter et j'y vais doucement. Comme ça, les contours seront plus lisses. Ouais, j'ai fait le contour d'une licorne. Je vais l'améliorer un peu. Il suffit d'ajouter quelques petits trucs par-ci, par-là pour tout changer. Et je vais repasser le contour de sa tête pour qu'elle ressorte bien. Et évidemment, toutes les licornes veulent qu'on les remarque. Je vais bientôt pouvoir passer à la suite. Je finis de dessiner sa mâchoire, c'est mieux, et son œil, avec de jolis et longs cils. Et maintenant, je peux passer à ma partie préférée, la crinière de la licorne. Elle va être bien colorée. Et bien sûr, on ne peut pas oublier le dernier élément important, sa corne. Je reprends de la pâte. On n'a pas encore fini. Comme ça, c'est assez fin. J'ai pris ses emporte-pièces. Je vais faire quelques étoiles et j'enlève l'excédent de pâte. Génial! Mais je les veux encore plus belles. Fais entrer les paillettes! J'adore utiliser des paillettes comestibles. Je vais en prendre des dorés pour suivre avec la couleur de la pâte. Et je vais les coller tout autour du gâteau. Je vais peut-être en mettre une autre ici pour équilibrer. Regarde-moi ces belles étoiles brillantes. Je les adore. Et bien sûr, on a aussi la licorne et l'arc-en-ciel. Avec ses petits nuages cotonneux pour aller avec. C'est bon, je crois que mon gâteau est fini. Oh, Enid, ce gâteau est absolument magnifique. Mercredi, écoute, j'ai une solution à ton problème. Grâce à ces lunettes, tu ne verras plus les couleurs. Je ne verrai plus les couleurs. Faites voir. Elles me vont et je me sens beaucoup plus calme et sereine. Merci pour votre aide. Bon courage avec tous ces arcs-en-ciel. Oh, te revoilà. Avec des lunettes de soleil? Je ne comprends pas tout par ici. Mais je vais faire comme si de rien n'était. Il faut dans tous les cas que je nomme une gagnante. Voyons voir, je choisis... Mercredi! Je rigole! Elle n'a même pas fait de gâteau! La vraie gagnante est Enid, évidemment! Ouais! Vive les licornes et les arcs-en-ciel! Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour nos derniers gâteaux? Je sais! Et si vous vous faisiez vous? Nous? Vraiment? Allez, défi lancé! Faites un gâteau ensemble! Ça n'a pas l'air si facile. J'ai mes ustensiles. Je suis prête à m'y mettre. Tu as raison, ça ne sert à rien de pleurer autant s'y mettre. Et c'est toujours sympa de dessiner à la craie grasse. Je ne vais pas prendre de crayon de couleur ou de craie grasse. Juste mon crayon à papier. Fais comme tu veux, mercredi, je vais dessiner un cupcake. Elles ont chacune leur méthode bien à elles. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok, j'ai mon croquis. Moi aussi, même si le mien est plus coloré. Mais je suppose que ça n'étonne plus personne maintenant. Alors je vais d'abord prendre cette tablette de chocolat. Dis donc, ça a l'air trop bon. Moi, je vais prendre de la crème fouettée. Je vais avoir besoin d'une poêle et d'un feu. Je vais faire chauffer la poêle pour pouvoir faire fondre le chocolat. Il devrait y en avoir assez comme ça. Je ne dois pas arrêter de mélanger pour que le chocolat ne brûle pas. Je pense que c'est bon. Maintenant qu'il est bien fondu, je peux le retirer du feu. Ensuite, je vais le verser dans un bol. En fait, c'est un moule géant. Il va falloir que le chocolat redurcisse. C'est bon, je vais retirer le moule. Par contre, il faut que j'y aille doucement pour ne pas casser le chocolat. Voilà, libéré. J'ai fait un bol en chocolat. Tiens, Enid, à toi de mettre la main à la pâte.
Merci ma copine, je vais remplir ce bol de plein de bonnes choses. Comme de mes chamallows arc-en-ciel préférés. Et de ma crème fouettée, comme promis. Je vais en mettre au-dessus de ces chamallows. Et un petit peu pour moi, avec ça. Ensuite, des cacahuètes enrobées de chocolat. Je vais les mettre sur la crème fouettée, comme ça. Que de couleurs! C'est vraiment joli! Ok, c'est bon comme ça. Mercredi, je te le rends. Pendant que tu la remplissais, j'ai fait la deuxième moitié de la sphère. Wow. Mais non, tu as fermé la boule! Wow. Dis donc, elles ont l'air de bien travailler ensemble. Mercredi, qu'est-ce que tu fais avec ce briquet? Il faut que le pic soit chaud pour pouvoir traverser le chocolat sans le casser. Et maintenant que j'ai inséré la bougie, je peux l'allumer. La mèche va bientôt s'allumer. Et voilà, j'adore quand il y a du feu. Ouais! Et il y a plein d'étincelles! On dirait un feu d'artifice! Attends, ça ne va pas exploser, non? Boum! Ah! Ça va pas recommencer! Oh! Oh, phew! Il ne s'est rien passé. Ah, bon, c'était marrant. Enid, tiens, j'ai un dernier ustensile que tu vas pouvoir utiliser. Merci, mercredi, je crois qu'on peut attaquer. Ah, quel plaisir de casser cette coque en chocolat. Je vais goûter un bout de cette sphère que j'ai faite. Moi aussi. C'est excellent. Et maintenant, je prends un peu de crème fouettée, de bonbons et de chamallows. Eh bien, vous avez prouvé que vous pouvez travailler ensemble. Ce qui veut dire que vous gagnez toutes les deux. Bravo! Ah oui, pas de câlin. Ah, j'ai oublié. Ouais, rose. C'est mieux comme ça. Mais non, faut que ce soit noir. Rose. Noir. Rose. Noir. Regarde comme ça clignote. C'est à cause de nous. Ah! Je crois qu'on a cassé le monde. Oh! Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est extrêmement bizarre. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a sous ces cloches? J'ai des ingrédients pour pancakes. Et moi aussi. Je crois que je sais quoi faire pour que ce soit encore plus cool. On agite un bon coup. Et voilà. Dis un peu ces délicieux pancakes. Super moelleux et rose. Allez, j'attaque. J'adore la crème fouettée sur les pancakes. Ouh, c'est tellement bon! Bon, c'est mon tour. Je n'ai qu'à secouer tout ça comme elle l'a fait. Voilà. Je suis impatient de voir ça. Mais qu'est-ce que... Peut-être que j'ai pas assez secoué. Je vais y aller vraiment fort cette fois. Oh non! J'ai tout gâché! Ouais. Quelque chose a vraiment mal tourné là-dedans. Bon, je vais secouer encore plus fort. Mais secouer ne va peut-être pas suffire. Faut y aller plus fort. Vas-y, maille en caoutchouc, fais-moi des pancakes. Et tu peux m'aider à secouer encore un peu? Ok, cette fois, ça doit être bon. Ouais, ça a marché! Des pancakes! De délicieux pancakes noirs! Regarde un peu cette pile de super pancakes noirs et vise un peu ça! T'en veux aussi? Tiens! Ce sirop rose va être un délice, je le sens. Je vais en mettre juste un petit peu. Pas trop. Le bouchon! Oh non! Mes pancakes! Oh, pauvre Nick! Mais regarde ce que j'ai. Je vais aspirer tout ce sirop en trop pour toi. Bon, ça a l'air de marcher. Ah! Mes pancakes! Mes pancakes noirs! Envolés! Oh, désolé! C'est de ma faute. Vraiment désolée, il n'y a rien à faire. Super, voyons la suite. Des sushis. Oui, j'adore les sushis. Et les miens sont noirs, ils ont l'air délicieux. Allez, d'abord j'ai besoin de baguettes. Voilà comment on les tient. Je suis prêt à me régaler. Oups, il est tombé. Je recommence. Voilà. Eh ouais, je suis un pro des baguettes. Oh non! Je vais m'y prendre autrement, pas de soucis. Attention, attention! Non, il est encore tombé par terre! J'ai plus qu'une seule solution. Mon sushi! Je veux manger mon sushi! Ok, je suis calme, il m'en reste un. Tu vas y arriver, Nick!
je crois en toi. Cette fois, c'est la bonne. Je l'ai. Reste plus qu'à l'amener jusqu'à ma bouche. Non! Je vais t'avoir, petit sushi. Ouais, t'as réussi. Bien joué, Nick. Mais maintenant, c'est mon tour. Je crois que je vais m'y prendre autrement. Je vais déplier cette serviette et la rouler comme ça. Et puis la rouler dans l'autre sens. Maintenant, je n'ai plus qu'à la placer comme ça entre les baguettes et à attacher le tout avec un élastique. Bien serré, voilà. À moi les sushis. Ah, j'ai oublié la sauce. Bon ben, je vais quand même la goûter. Et hop. C'est vraiment super bon. Attention, attention. Oups. Oh, vraiment désolée. Oh, une petite fontaine à chocolat. Ce chocolat fondu a l'air vraiment bon. On va se régaler, pas de doute. Voyons ce qu'on a cette fois. Quoi? De la viande? Je crois que c'est du pastrami. J'ai eu des mûres. Elles vont être délicieuses avec ce chocolat. Allez, voyons si c'est aussi bon que ça en a l'air. Ouais, parfait! Je le savais, ce chocolat est un régal! Il y a peut-être une chance que ce soit pas mauvais. Hé, t'es folle ou quoi? Mets pas ça là-dedans! Ton assiette n'est simplement pas compatible avec la fontaine. C'est vraiment pas juste. Il doit bien y avoir une solution. Je vais essayer d'être un peu plus discrète. Mais elle plaisante. Elle croit que je ne la vois pas. Bon, d'accord. Faut que je tente autre chose. Je vais passer doucement au-dessus de son épaule. Non, ça va pas marcher comme ça non plus. Il est occupé. C'est ma chance. Et hop, dans le chocolat. Voyons si c'est bon. Oh oui, ce chocolat est délicieux. Je l'ai, j'ai retrouvé ma mûre. Tu sais ce qui manque à cette fontaine? De la viande. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! C'est la fête de la charcuterie. Super, regarde toute cette viande au chocolat. Oh, tu as bloqué la fontaine avec ta viande. Elle va exploser. Oh, il y a du chocolat partout. Du chocolat et de la viande. Bouge pas, je vais t'enlever ça. Qui aurait cru que la viande allait me trahir comme ça? C'est quoi cette odeur? Ça me plaît pas beaucoup. Oh, je vais soulever ma cloche et voir ce qu'elle cache. Du Nutella? Excellent! À ton tour! Ok, mais j'ai pas super envie. Burk, qu'est-ce que c'est que ça? Du caviar? J'aimerais pas être à ta place. Je vais ouvrir mon Nutella et j'ai des biscuits pour tremper. Ouais, la quantité parfaite de Nutella! Noisette et chocolat! C'est tellement bon! J'en deviens fou! Il m'en faut plus! Faut que je mange tout le Nutella! Ça a l'air vraiment bon! Quelle chance il a! Pourquoi est-ce que j'ai pas eu le Nutella? C'est à mon tour de me régaler! Allez, des deux côtés maintenant! Ça me fait mal de regarder, mais j'arrive pas à arrêter! Tout le Nutella pour moi! Tout le Nutella! Oh non! Il n'y en a plus! J'ai tout mangé! Bocal vide, hein? Je te l'emprunte. Je vais verser du thé chaud à l'intérieur. Je remplis à ras-bord. Je remets le couvercle et je secoue. Ok, ça doit être suffisant. Mais qu'est-ce que c'est que cet accent? Et maintenant, du thé au Nutella. Tiens ton bocal. C'est délicieux. Et pour mon assiette, j'ai juste besoin d'un petit peu d'aide.
Je vais en goûter un tout petit peu. Bork, mais c'est pas bon du tout. Dégoûtant. Vite, un peu de thé. Le dernier. Oh, une tranche de gâteau. J'ai eu du pain rose, des fraises et de la crème fouettée. Bon appétit. Lise un peu ce glaçage. Incroyable. Oh, et après tout, j'ai pas besoin de couvert. Je vais manger ça avec les doigts. Oui, super bon. Je me suis jamais autant régalée. Bon, bah, à mon tour de goûter à mon repas. Je crois que ça peut être encore plus délicieux. Un peu plus de ça. Et un peu ici aussi. Mais pourquoi est-ce que je me prends toujours des trucs dans la tête? Voilà, mon chef-d'œuvre gourmand. Tiens, une fraise dans mes cheveux. Ah, super des sandwichs aux fraises et à la crème. Ils ont l'air délicieux et en plus, ils sont jolis. C'est l'heure de se régaler. Oh oui, exactement ce que j'espérais. Super bon. Ouais, ça a l'air bon. Non, je me suis trompée. C'est pas bon du tout, c'est horrible. Elle y était presque. Dommage pour elle. Quelle couleur choisir? Oh, je m'ennuie tellement. Oh, c'est d'un ennui mortel. Il n'y a rien d'intéressant ici aujourd'hui. Mon téléphone! Il n'y a rien! Oh! Berk, mes cheveux! Oh non, c'est tellement dégoûtant! C'est pas possible! Hé, t'es qui? Moi? Non, toi, t'es qui? Salut! Hé, quoi? Wow. Défi culinaire? Très intéressant! C'est parti! Oh, mais bien sûr! Dans ce cas, commençons! Tu aimes mes ongles? Mon truc, c'est les crocs. Qu'est-ce que c'est? Regarde! Non, jette plutôt un œil à ceci. C'est un œil énorme! Mais c'est aussi un bonbon gigantesque! Wow. Génial! Ce truc me passionne encore plus. Je me demande ce que c'est. Waouh, c'est cool! Je ne vais pas me gêner. À la tienne! C'est très acidulé! Waouh, ce truc est délicieux! Hein? Tu t'es regardé dans un miroir récemment? Non, pourquoi? Quoi? Ma peau! Et ses oreilles! C'est un désastre! Plutôt hilarant, je dirais. Hein? On doit échanger? Ça fait plaisir à entendre. Bois! Oh, zut! Bon, puisqu'il le faut. Ça commence enfin à aller mieux. Waouh, c'est énorme! Et il est si moelleux! Et le goût? Qu'est-ce que... Voyons si ça marche. Changeons le profil de saveur. Joli! Goûtons à cette chose. À la mienne! Le goût n'est pas si mauvais. Ah! Ma tête! Et où sont mes crocs? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ce n'est pas mon problème. J'y vais! Oh, cerise! C'est bon! Je pourrais l'engloutir tout entier! Waouh! Regarde ton visage! Tout va mieux! Hey! Plus de boutons! Me voilà belle à nouveau! Tu devrais essayer! D'accord, passe! Aide-moi, œil! Merci! D'accord! C'est bon! Ouais, vas-y! Ça marche vraiment pour toi! Mes crocs sont revenus? Est-ce qu'ils sont tranchants? Vachement! Waouh! Dieu merci! Encore plus, s'il vous plaît! Qu'est-ce que je suis soulagée! J'ai besoin de rester jolie! C'est parti! Oh, ma couleur préférée! Le rouge sang! Waouh! Ça fait beaucoup de chewing-gum! Et comment ça marche exactement? Voyons voir! Voilà une forme bien intéressante. Wow! Délicieux! Quel bonheur! Ah! J'avais vraiment besoin d'une retouche. Du rose chewing-gum, évidemment. Je suis à croquer. C'est presque prêt. Regardez-moi ça.
Maintenant, si j'arrive à le mouler correctement... Oh, wow! Elle est tellement douée avec ses mains! Et ses lèvres roses! Je parie qu'elle sent bon aussi! Oh, ce truc est trop collant! Tu veux bien t'aplatir, oui? C'est tellement frustrant! Oh, je voudrais embrasser ses lèvres en colère! J'ai juste... Wow, c'est trop près pour être confortable! Pardon? Je n'ai pas d'autre choix! Voilà! Si douce! Hein? Hé, t'as aimé, pas vrai? Et regarde! Maintenant, ça ressemble à des lèvres! Jette un œil! Il faut aimer les heureux hasards! Une minute! Laisse-moi réfléchir! Quelles autres parties du corps pourrais-je fabriquer? Mais bien sûr! Je sais! J'ai juste besoin d'un truc malléable! La cire de bougie l'emporte! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Désolée, je t'entends pas. Mon oreille est un peu occupée. C'est parfait. Maintenant, je peux m'en servir. En plus, j'ai juste assez de liquide. Il faut aimer le rouge sang. Mais avant que ça ne durcisse, et voilà, une oreille sur un bâton. Ça t'embouche un coin? C'est d'autant mieux qu'on t'entend avec. Tu vois? Waouh! Je pense que je peux faire la même chose avec ceci. Des lèvres sur un bâton. Plutôt cool. En plus, ça a bon goût. Ça a l'air bien. Ce truc est génial. C'est si bon. Terminé. Quel plaisir. Ça, tu l'as dit. C'est très satisfaisant. Absolument. Oh, ce filtre est mignon. Hein? Hé, qu'est-ce qui se passe? Eh oh, je commence à m'inquiéter. Excuse-moi, il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux? Ah! C'est quoi ce visage? Quoi, t'as jamais vu quelqu'un boire du jus de fruits? Oh, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Bref. Qu'est-ce que c'est? On dirait des amuse-gueules. Très intéressant. C'est un fruit? Bof, je sais pas trop. En échange? C'est beaucoup plus mon truc. Je devrais le poster. Quelle belle couleur! Le goût est bon aussi. C'est trop bien, regarde ça! Burk! Tellement juteux! Ça fond dans la bouche! Hey! Coucou! Où en étais-je? Exquis! Hein? Tu ne vas pas manger? Bizarre. Bon sang, j'ai mangé trop vite. Mon estomac. Toujours en train de prendre des photos? Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais rien vu de tel. Bonjour à tous. Burk, cette chose est effrayante. Je sais. Prends une photo. Vraiment? D'accord. Voilà. Ouais, c'est bien. Prends un air sérieux. C'est mignon. Ok, je dois juste en choisir une. Hein? Dégoûtant. Hein? Laisse-moi voir. Oh ouais, c'est bien. Sérieusement, on ne voit rien. Merci. Vraiment? Bon, d'accord. Ça sortit beaucoup. J'adore. Ça a le goût de la réglisse noire. Si moelleux. Dis bonjour aux doigts. Hilarant. Bon, je peux enfin m'y mettre. C'est un peu trop fantaisiste. Allons droit au but. Oh ouais, c'est tellement sucré et acide. C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais goûté. Absolument divin. Je suis au paradis du sucre. Wow, elle s'y met vraiment. N'oublie pas de respirer. Évidemment. Ok. Je vais m'occuper de mes affaires. J'ai tellement faim. Tu m'en diras tant. Non, laisse tomber. Mon ventre gargouille vraiment. J'en peux plus. Oh, il est temps de canaliser le chef qui sommeille en moi. Laisse-moi faire. Quoi? Waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'appelle ça un dîner. Ne t'en fais pas, je vais les mélanger.
C'est la recette de ma mère. Regarde-les. Oh, c'est nauséabond. Voilà une couleur qui nous plaît. Crois-moi, tu vas adorer. Je la ferai cuire comme il faut, tu verras. Tout est dans la présentation. C'est parti! C'est prêt! Cette partie peut être un peu délicate. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Comme de longues pattes d'araignée. Je crois que je vais tomber malade. Hein? Une minute. Mon pack! J'ai la meilleure idée! Il contient tout ce dont j'ai besoin. C'est parti! Il me faut juste un peu de bleu. Il ne faut pas oublier le rouge. Et un peu de jaune. Que le mélange commence. Il est temps de faire bouger les choses. C'est prêt! Ah bon chat, bon rat! Mais la mienne est beaucoup moins dégoûtante. Pas de pâte d'araignée sur cette plaque chauffante. C'est presque prêt. Tadam! Regarde! Waouh! Il ne me reste plus qu'à profiter des fruits de mon travail. Pas mal! Oh, regarde! Maintenant, ça fait mouche. Au revoir, ventre qui gargouille. Ça va être une fête d'enfer! Tu crois qu'on a assez de décorations? J'ai une petite idée! Des confettis! Amusant, non? Hein? Oh non! Waouh! Waouh! C'est parti pour un défi rose contre noir! J'ouvre en premier cette fois. Voilà! Je n'ai jamais rien vu de pareil. Mais c'est joli, ça c'est sûr. Attends, tu entends ça? Joli son! Je n'arrive pas à l'ouvrir. Et pour moi? Ouh, j'espère que c'est bien frais. Eh ben, à ta santé! C'est parti! J'adore le chocolat! Que dirais-tu d'une petite expérience? D'abord, je verse la boisson là-dedans. Je vais remplir le verre entier. Super! Et maintenant, les petites billes roses! À toi de jouer, Britney! Mais si tu veux, je peux le faire. Et juste comme ça. J'en ai deux! Tiens! Prête? Goûtons notre boisson! Délicieux! Hé! Ne bois pas tout! Il faut que j'aille plus vite! Qui finira en premier? On y est presque! Alors, tu cherches la bagarre? Je suis prête! Ha! Le combat commence dans 3, 2, 1! À l'attaque! Paille contre paille, arme égale! Oh! Attention à tes pieds! Tu ne mourras pas! Ha! Attends! Tu vois ce dauphin? Oserais-je? Mais bien sûr! Ouh! C'était trop facile! Waouh! Mademoiselle Noire gagne la partie! Eh oui! J'ai gagné! Il y a tant de personnes que j'aimerais remercier! Oh! Vous êtes trop gentils! Vous savez comment faire rougir une jeune fille! Y a-t-il meilleure récompense qu'une barre de chocolat immense? Arrête de rêver, Claire! Oh, comment ça? Ce n'est pas réel? Pourquoi m'as-tu réveillée? Oh! Après toi! Non, vas-y! Je t'en prie! Non, toi! Bon, d'accord! Waouh! J'espère que ce ne sont pas de vrais verres! Non, ils sont recouverts de sucre! Waouh! Ils sont super longs! Et plus il y a de sucre, plus c'est délicieux! Ça a l'air plutôt bon! Ils sont à la réglisse! Maintenant, je peux me régaler! La perfection! Qu'est-ce que tu as eu? Oh! Regarde comme c'est mignon! J'adore les petits trolls!
Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut? Oh, ça contient une sucette. Et elle est rien que pour moi. Waouh, tes cheveux. Attends, je goûte encore. C'est vraiment incroyable. Des fleurs fraîches. Je ne me suis jamais sentie aussi merveilleusement bien. Et tout ça grâce à cette sucette. Mes bonbons ne sont pas si cool en comparaison. À moins que... Je viens d'avoir une idée géniale. On dirait un peu des cheveux, pas vrai? Tu vois? Ouais, tu as deviné. Super! Joli! Je me demande combien il m'en faut. Continue! Un dernier et voilà! Ça te plaît? Ils sont bouclés et sucrés! Et maintenant, j'ai mes bonbons à portée de bouche! J'ai l'impression d'être une star du rock! Tiens, j'ai une petite faim d'un coup! Tout ce que j'ai à faire, c'est attraper un de mes cheveux! Vraiment une bonne idée! Moi aussi, j'en veux! Oh, merci! Ils sont vraiment bons! Je suis bien de cet avis! Je vais en manger un tout petit peu plus. Quand on commence, impossible de s'arrêter. Personne ne peut résister à mes délicieuses boucles. Un régal! Ouh, on en a peut-être mangé un peu trop. Pourquoi tu dis ça? Mes cheveux! Ils vous repoussaient, pas vrai? J'oubliais que ce ne sont pas de vrais cheveux. T'es sûre que ça va? Oui, oui! Excuse-moi. Oh, elle me fait de la peine. Mais au moins, j'ai toujours mes beaux cheveux roses. Prête? Oh, cool! Le mien est au coca. On y va? Oui, on secoue. Ça fait travailler les muscles. Voilà. Et le mien alors? Ça marche vraiment. Il est super froid. Le mien aussi. On ferait mieux de les manger avant qu'ils fondent. Salut toi, délicieusement gelé. Et le mien? Bon appétit. Ouh! C'était bizarre. C'est vraiment un régal. Exquis. J'ai l'impression que ça me donne des forces. C'est vraiment léger. Hein? Sérieux? Ça, c'est vraiment incroyable. Est-ce que je peux faire léviter autre chose? C'est tellement bon! Tu remarques quelque chose, Claire? Et pour que ce soit encore plus intéressant... Waouh! Attention! Tu vas voir ce que tu vas voir! Britney, non! Mais qu'est-ce que... Claire? Tant pis! C'est super cool! Quoi? Suis-je encore vivante? Un tyrannosaure! Ah! Je ne m'en lasserai jamais. C'est comme si j'avais de nouveaux amis. Ma glace! Elle a complètement fondu! Est-ce que ça veut dire plus de pouvoir? Comme c'est dommage. Pierre, papier, ciseaux! C'est à mon tour de commencer. Oh! De petits cœurs? Et de petites billes aussi? Et c'est rien que pour moi. C'est joli. Et ça sent bon. Pas besoin de cuillère quand on a une langue. Waouh! Bon, à mon tour maintenant. Du caviar? Ce sont des œufs de poisson, c'est ça? J'ai jamais essayé. Mais il y a une première fois pour tout. J'attaque. Ouh, ils sont vraiment noirs. Et je parie qu'ils sont délicieux. Plutôt pas mal. Je sais. J'ai lu quelque chose sur le sujet. Ah ouais? Si tu mélanges du caviar à de l'eau, tu as du poisson. Mais oui, ce sont des œufs. On essaye? J'ai de l'eau. Ça devrait suffire, pas vrai? Et maintenant, une cuillerée de caviar. Plongez là-dedans, mes amis! Il se passe quelque chose? Je crois qu'il faut qu'on attende un peu. Ça y est, ça marche! Ajoutons un peu de rose.
Waouh, il est en train de grandir! On en met encore un peu? Il a l'air d'aimer ça! Notre petite expérience a réussi! Petit poisson? Oh non! N'aie pas peur, je suis la reine de la pêche! Toutes ces après-midi au bord du lac avec papy auront servi à quelque chose! Joli! Je sens quelque chose! Aïe! C'est pas le poisson! Bien essayé! Recule un peu, il me faut de la place! Je vois quelque chose! Attrapons ce vilain poisson! Claire! Ton hameçon! Ah! Tournez manège! Ils ont l'air délicieux! Le hamburger a l'air si juteux! Et ce gâteau? Mice? Oh, salut! Un gâteau rose? Dégueu! Je suis plutôt un adepte du hamburger! Attends là! Il a l'air bon? Non, tu ne veux pas de ça! Goûte le gâteau! Oh, c'est toi! Qu'est-ce que tu veux? Ne m'oblige pas à venir jusque-là! Hé, ne vous battez pas! Tu vas voir, toi! Arrêtez! Vous êtes agaçants tous les deux! Je ne vois qu'une seule solution! Plus de nourriture pour moi! Miam! Oh, regarde cet endroit! Peut-être que ce ne sera pas si mal! Nous verrons bien! Ok, par quoi on commence? Découvrons-le! Oh, un hamburger! Exactement ce que je voulais! Regarde ça! Je crois que je suis amoureux! Je vais me régaler! Oh ouais! C'est tellement, tellement bon! Tu as un petit quelque chose sur le visage! Oh, attends, j'ai quelque chose pour toi. J'ai un hamburger à manger. Quoi? Tu as déjà terminé? C'est à s'en lécher les doigts. C'était délicieux. Est-ce qu'au moins tu mâches ta nourriture? Bon, c'est mon tour. Comment suis-je censée le prendre? Oh, je sais, j'ai juste besoin d'une feuille. Je vais la mettre par-dessus le hamburger. Ensuite, je ferme la boîte. Maintenant, je peux la retourner. Je vais rouvrir la boîte. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes mains? Tu sais que le hamburger va être froid. Chut! Je dois me concentrer. Je replie le tissu sur le hamburger. Ensuite, je peux le sortir de sa boîte. C'est parfait! Comme ça, je n'en aurai pas plein les doigts. Attends, il manque quelque chose. Hein? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu me regardes? Je n'ai pas de sauce. J'ai besoin de quelque chose pour tremper mon hamburger. Laisse-moi faire. Tu vas aimer ça. Que se passe-t-il? Continue à regarder. Je suis censée être impressionnée. Regarde! Salut! J'ai entendu dire que vous cherchiez quelque chose de savoureux. Attends, pourquoi est-ce que je me sens nue? Arrêtez de me regarder. Ah, voilà ce que je cherchais. Ah, je me sens déjà mieux. Ouh, vous êtes un chef! Je pensais que... Peu importe. Vous avez besoin d'une de nos spécialités. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. Voici ce que nous allons faire. J'ai un bol de mayo. Ne vous inquiétez pas, il ne fait que commencer. Psst, il nous en faut plus. Faites-moi confiance, je suis un professionnel. Cette sauce va vous surprendre. J'ai besoin d'un petit filet de ketchup. Ça lui donnera un peu de piquant. Oh ouais! C'est un genre d'artiste. Freestyle. Il sait ce qu'il fait, n'est-ce pas? Mec, le bol! De quoi parlez-vous? Oh, je vois! Il faut vraiment que j'apprenne à viser! Ça ne m'était jamais arrivé avant! C'est un peu gênant! Bon, je vais le faire correctement cette fois! Content! La cuisine est un art de scène! Vous mettez en péril ma créativité! Je ferais mieux de mélanger tout ça! Ne me demandez pas où je range cette cuillère! Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps! C'est comme une séance d'entraînement! Ne vous dérangez pas pour moi, c'est bientôt prêt. Je pense que c'est bon. Votre sauce, madame, vous allez vous régaler. Voilà. Miam, merci. Au moins, j'ai ma sauce. J'espère que vous allez aimer. Attendez, vous savez quoi? J'ai changé d'avis. Tu plaisantes? Très bien, je vais la goûter. Je suis sûre qu'elle ne peut être qu'excellente. C'est pas mal du tout.
Vous me donnerez la recette. Je me demande ce qu'on va avoir cette fois-ci. Découvrons-le. Ouh, des chips. J'en veux. Quelque chose ne va pas? Je n'arrive pas à les ouvrir. Je commence. Attends, j'ai une idée. Je vais prendre quelque chose dans mon sac. Ah, les voilà. J'ai toujours une paire de ciseaux à porter demain. On ne sait jamais quand on en aura besoin. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre mes chips. Ça se voit, non? Je déteste avoir les mains couvertes de chips. J'ai donc ces pinces à chips. Plutôt malin, hein? Elles sont superbes. Délicieux. C'est tellement croustillant. Qu'est-ce que c'est? Ah, un tremblement de terre? Ah! Maintenant, c'est personnel. Prends ça. Tu l'as cherché. J'ai peut-être cassé quelque chose. Bah, tant pis. Maintenant, je peux l'ouvrir. Tout ça, rien que pour moi. Waouh, elles ont l'air bonnes. Hé, Julie, regarde ça. Vas-y, je suis intriguée. Je veux que ce soit spécial. J'ai un ingrédient secret. C'est une vieille recette de famille. Je vais le verser dans les chips. Regarde-moi cette couleur. Ça ne fera qu'ajouter à la saveur. Ça devrait suffire. Je l'ai cueilli aujourd'hui. J'ai des tomates coupées en morceaux et beaucoup de fromage râpé. J'en saupoudre un peu. C'est de mieux en mieux. J'en ai l'eau à la bouche. C'est un chef-d'œuvre. Mais il manque quelque chose. Laisse-moi réfléchir. Ah, je sais. Je peux te prendre une chips? D'accord. Tiens, je t'ai eu. Bats les pattes. Laisse-moi un peu. La prochaine fois, je vais les écraser dessus. C'est ma plus grande création. Je vais tout manger. Une seconde, où sont passées mes manières? Je vais prendre un petit morceau. Merveilleux. Il a tout pris. Je ne vais pas laisser passer ça. Tu comptes partager? Non. La couleur des aliments n'a pas d'importance. Noir, rose, on s'en moque. Tout ce qui compte, c'est que ce soit bon. Nous espérons que cette vidéo vous a mis en appétit et que ça vous a donné envie de vous amuser. Nous vous avons préparé encore plus de fun. C'est l'heure d'un défi alimentaire. Tu es prêt? Vas-y. Ouh, du chewing-gum. Ça a l'air bon. Waouh, regarde-le, il est énorme. Et il a l'air bon. Délicieux. Attends une seconde. Hein? Qu'est-ce que c'est? Une course de chewing-gum? 1, 2, 3, partez! Je ne peux pas perdre! Ma mâchoire commence à me faire mal. Quelle est la longueur de cette chose? Je dois continuer. Pas de pitié. Je suis en forme. Je vois la fin. Je vais gagner. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. N'y pense même pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Wouhou! C'était trop facile. Je suis le meilleur. Hé, regarde ça. Je pense que ça va te plaire. Je vais relier ces éléments entre eux. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, intéressant. Ta-da! C'est mignon, hein? Oh, que d'émotion. Mais je peux faire mieux. J'ai besoin de plus de chewing-gum. Regarde ça. Plutôt cool, n'est-ce pas? Je n'ai même pas besoin d'entraînement. J'ai encore gagné. Je pourrais m'y habituer. Yes. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Donne-moi une seconde. J'ai encore du chewing-gum. Je vais faire une bulle. Ce sera la plus grosse bulle que tu aies jamais vue. Ok, je peux le faire. Vas-y, j'ai juste besoin d'en mordre un morceau. C'est si moelleux, il m'en faut plus. Je vais tout mettre dans ma bouche. Je pense que c'est bon. C'est le moment ou jamais. Attention, c'est parti. Regarde ça. Ce n'est rien. Ça, c'est une bulle. Comment il fait ça? Il n'y a qu'une seule solution. Ça va faire du bruit. Non! Ah! J'aime que ça s'arrête! C'est peut-être pas une bonne idée! Waouh! Mayday! Mayday! Attendez, ça veut dire que j'ai gagné? Ouais! Tout va bien là-haut? Bye bye! Il est temps de passer au tour suivant! Ouh, du chocolat! Tant pis pour mon régime! Ça a l'air tellement bon! Il n'y a rien de meilleur! Regarde-moi ça! J'ai hâte de le goûter! Il est assez grand! Mais c'est pas ça qui va m'arrêter!
Ah oui, c'est comme ça que c'est bon. C'est bon, très bon. Burke, c'est comme ça que tu manges ton chocolat? Laisse-moi te montrer. D'abord, il faut le casser en deux, comme ceci. Tu vois, comme ça, c'est plus facile à manger. C'est aussi simple que ça. Attends, quoi? T'es sérieuse? Ok, je peux le faire. Ça n'a pas l'air si difficile. Alors, tu le casses comme ça? Waouh! Il s'est séparé en deux morceaux. C'est époustouflant. Comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tout va bien, ma chère. Ne panique pas. Attends, tu te sens mieux? Merci, docteur. Tu te sens bien? J'ai juste été un peu choquée. Ok, revoyons ça encore une fois. J'ai un morceau de chocolat. Un seul morceau? Compris. J'ai la tête qui tourne. Regarde ça. Prends le chocolat et grignote-en un peu. Comme ceci. Ce n'est pas si difficile, mais je n'ai pas fini. Tu vas voir, ça va te plaire. Tu vois la gaufre? Je vais la séparer en deux. Bam! C'est magique. Deux fois plus de chocolat, deux fois plus de plaisir. Ensuite, tu peux la manger. Waouh, t'es un génie. Je vais essayer. Souhaite-moi bonne chance. Un petit morceau. Ouh, c'est amusant. Je pourrais m'y habituer. Ah, je savais qu'il finirait par comprendre. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je peux maintenant savourer mon chocolat. Comment ça va, Miles? Ah! Grignoter, grignoter, grignoter! J'ai adoré. Merci pour ton aide. Tu es la meilleure. Pas de soucis. C'est rien du tout. Je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. J'espérais ne pas en arriver là. Enfile ça. Ok, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être un oiseau. Tu te moques de moi? Pourquoi est-ce que je me donne cette peine? Je n'arrive pas à attraper mon chocolat. Bof, je l'ai déjà vue, celle-là. C'est tellement ennuyeux. Regardez-moi tous ces snacks, les gars. Oh, ils ont l'air bien. Ne m'en voulez pas si je le fais. Le crime parfait. Essayons les chips. Mmh, croustillantes. Oh, vous êtes trop généreux. Ces chips sont si délicieuses. Délicieuses, hein? Je les prends. Hé, hey, lâche-moi. D'où tu sors toute cette force? Non! Donne les chips. Hein? Est-ce que je peux appuyer sur le bouton, s'il te plaît? Bien sûr. Prends ça. Waouh, je suis comme un magicien ou quelque chose comme ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te proclames magicien et tout ce que tu me donnes, c'est un bonbon? Je pense savoir comment régler ça. C'est l'heure de la science, mon chou. C'est sans danger? Bien sûr. Pourquoi ça? J'ai besoin de quelques gouttes de ce produit chimique. Ouf, c'est toujours stable. Waouh, tu es comme un savant fou. Oh, c'est si gentil de ta part. Je vais remplir cette seringue avec le liquide. Ça devrait suffire. Recule, ça pourrait devenir intéressant. Je n'ai besoin que d'une goutte. Waouh, ça marche, je suis un génie. Regarde sa taille, il est énorme. Quoi? La vie peut être si cruelle. Je vais me régaler. C'est pas grave, tu peux être jaloux. Aucune chance. C'est tellement sucré. Sérieusement, tu devrais goûter. C'est ça, donne-le-moi. Je veux faire grossir mes bonbons. Quelle quantité utiliser? On s'en fiche, je vais juste tâtonner. Ouais, c'est à peu près ça. N'oublie pas qu'il ne faut pas en mettre trop. En y réfléchissant bien, je pourrais créer le plus gros bonbon de tous les temps. Waouh, c'est splendide! Je crois que je suis amoureux. Tu es à moi. Waouh, ce serait génial. Oh ouais, donne-moi ce bonbon géant. Jared, je ne ferais pas ça si j'étais toi. Ça, c'est toi qui le dis. Plus rien ne peut m'arrêter. Regarde, j'ai réussi. Waouh, regarde ça, Madison. Tu n'es pas le seul génie ici. Hein? C'est toi qui as fait ça? C'est pas juste. J'ai hâte de le déguster. Attends, il a un goût bizarre. Attends, il y a quelque chose là-dedans. Non, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Comment ça a pu se produire? La science m'a encore laissé tomber. Maintenant, je me sens mal. Jared, on peut se partager mon bonbon? C'est vrai. Tu es sérieuse. J'espère qu'il te plaira. Mais laisse-moi m'occuper des expériences. Waouh, regarde ça. Juste ce qu'il me faut. Miam, miam. Waouh, ce sont des ballons. Je le savais. On va les éclater. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Oh, bonne idée. C'est fini. Je me sens si vivante. Attends, c'est de l'argent? J'y crois pas.
Waouh! Ok, c'est ton tour! Lequel choisir? Celui-ci. J'ai un bon pressentiment. Quoi? Un dur à cuire, hein? Prends ça! Et ça! On dirait bien que tu as du mal. Je suis tellement faible! Mais je n'abandonnerai pas. Je pourrais te donner une barrette. Je reviens dans une minute. Ceci est un hold-up. Donnez-moi cette orange. Mes frères! Je vais montrer à ces ballons qui est le patron. Avec une orange? Crois-moi, c'est l'outil naturel pour faire éclater les ballons. Oh, merci. C'est l'heure d'éclater. Je vais presser le jus d'orange sur le ballon. J'espère que ça va marcher. Wow! C'est quel genre de sorcellerie, ça? Jared, regarde! Burk! Une bestiole? Je dois voir ça de plus près. Oui, c'est une bestiole. Ah! Maman, sauve-moi! C'est bon, elle ne peut plus me faire de mal maintenant. Tu peux y aller. Je me demande ce que ce sera cette fois. Qu'est-ce que c'est? Burk, un œil? C'est dégoûtant. Attends, je ne pense pas que ce soit réel. C'est un bonbon. Tu en es sûre? Ouais, c'est bien un bonbon. Et c'est délicieux. Waouh, tu as touché le gros lot. Je suis prêt et je garde un œil sur ce ballon. Tu vas perdre. Wow! Hein? Il n'y a rien ici. Je me suis fait avoir. Ha! Tu auras plus de chance la prochaine fois. Ne sois pas méchante. Oh, je suis tellement furax. Oh, j'ai eu quelque chose. Et c'est adorable. Waouh, c'est une sucette. Viens à moi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis Rose, tu te souviens? Ça suffit, je veux parler au responsable. Tu aurais adoré celle-ci. Je n'ai jamais été aussi contrariée. Il reste un ballon. Où est-il passé? Je suis tellement perdue. Jared, est-ce que ça va? Laisse-moi tranquille. Hé, jumeau! Qu'est-ce que... En fait, je me sens fabuleux. Tu assures. Waouh, c'est mon tour, mon pote. Très bien, vas-y. Waouh, c'est impressionnant. J'ai eu des chips. Oh, allez! Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que j'ai agacé quelqu'un? Madison a droit à beaucoup de chips et moi, je n'ai droit qu'à ça! C'est pas juste! Il faut que quelqu'un m'explique. Waouh! Je suis au paradis des chips! Ce sont mes préférées! Et je vais les manger toutes! Oh, c'est tout ce que tu as eu? Je dois être gentil et discret. Tu sais que je peux te voir, hein? Tu ne peux pas me reprocher d'avoir essayé. Finissons-en. Ce sont des mini-chips? C'est mieux que rien. On a peut-être un problème. Un instant, essayons encore une fois. Non, elle ne rentre toujours pas. Je pourrais regarder ça toute la journée. Pourquoi les mauvaises choses n'arrivent qu'aux bonnes personnes? Calme-toi, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Tu peux utiliser ma pince à épiler. Un cadeau? Pour moi? Tiens. Waouh, je ne sais pas quoi dire. Ça marche super bien. J'espère que tous ces efforts en valent la peine. Un vrai délice. Tu vois, je t'avais dit que ça marcherait. Attends, je veux essayer quelque chose. Que fait Madison? Je fais pleuvoir des chips. Youpi! Plus! J'en veux plus! Prends une chambre. Je n'en ai plus. On s'en fiche. Je continuerai à les savourer. Droit dans mon ventre! Je pense que tu as un problème. Hein? Tu as dit quelque chose? Je ne m'en lasserai jamais. C'est difficile à regarder. Je préfère une expérience gastronomique agréable. Mes compliments au chef. Attends, ce n'est pas une chips. Waouh, c'est une mini-manette. Je n'ai plus besoin de ça. Sérieusement? Je dois être prudent. C'est si petit que je ne veux pas la casser. Voyons ce qu'elle fait. Waouh! Ça va être amusant. Bip bip! Qu'est-ce qui se passe? J'aurais dû m'en douter. C'est toi! Oui, c'est moi, ton ennemi juré. Arrête! Je ne crois pas, non. Bip! Non, ne le fais pas! C'est l'heure du spectacle. Non! Pourquoi, Jared? Pourquoi? Ah, tu en mets partout. Donne-moi ça. Tu gâches toujours mon plaisir. Oh, une chips. J'ai bonne mine aujourd'hui. Tu veux voir un tour de magie? Hein? Tu vas en prendre plein les yeux. Regarde, c'est fou. Ouais, bon travail. Maintenant, peux-tu me laisser tranquille? Ok, pas très fan, hein? Oh, c'est un joli chapeau. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tellement mystique. Je dois arrêter ça. Mais le spectacle de magie. La nourriture est plus intéressante. Du chewing-gum. Miam! J'ai hâte de goûter.
Moi aussi. Ça a l'air merveilleux. Ah, reprends-toi, Jared. Mais ça me donne une idée. Il faut que tu vois ça. Je vais tout mettre dans ma bouche. Ce sera un record du monde. Ou quelque chose comme ça. C'est la dernière bouchée. Tada! T'en dis quoi? Je crois que je ne me sens pas bien. Oh, tu dis de très belles choses. Au moins, tu es heureux. J'ai besoin de nouveaux amis. J'ai fait de mon mieux. J'ai des choses plus importantes à faire. Je dois appeler Kevin. Une seconde. Est-ce que c'est un bouton? Non! Quel désastre! Je ne peux pas le laisser me voir comme ça! Pourquoi ça m'arrive? Une minute. Je peux peut-être arranger ça. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais mettre le chewing-gum dans ce bol. Ensuite, j'ajouterai du soda. Ça suffit. Je mélange le tout. Madison? Double, double, peine et trouble. C'est la réponse à tous mes problèmes de boutons. Ensuite, j'ai besoin de mon mixeur. J'y verserai le mélange. Ensuite, il est temps d'utiliser mon ingrédient spécial. Ça transformera le liquide en gel. Je mets le couvercle car je ne veux pas en mettre partout. Regarde! Waouh, je suis intriguée! Il est prêt! Je dois le verser dans ce moule spécial. Je veux récupérer tout le liquide. Je vais attendre qu'il prenne. Ça ne devrait pas être long. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je pense que c'est assez. Je vais le décoller avec précaution. Mon propre masque facial. C'est tellement apaisant. Bouh! Ah! Je savais que ça allait arriver. Voyons si ça a marché. Ah, mon visage rayonne. Et le bouton a disparu. Voilà qui va hanter mes rêves. De quoi ai-je l'air? Tu es magnifique. Tu le penses vraiment? Ouais. Alors, tu fais quoi après? Et regarde, du soda. Oh, j'en prendrais bien aussi. Il y a forcément quelque chose à manger par là. Des céréales? Non. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, ça a l'air trop bon. Hé, regarde ce que j'ai trouvé dans l'armoire. Il y a un petit panneau dessus. Je suppose que je vais faire ce qu'il me dit. Je me lance. Non. Dis donc, tu es super courageuse. Il ne s'est rien passé. Dans ce cas, je vais en goûter un. C'est bon. Un défi alimentaire! Pique-pique et collégramme! Ouais, j'ai gagné! J'y vais! Waouh! Une boisson jaune! Attends, il y a quelque chose qui cloche! Ce n'est pas une bouteille, c'est un bonbon! Oh, c'est trop cool! Je peux en avoir un peu? S'il te plaît! Waouh! Calme-toi! Je n'ai même pas encore goûté! Trop bon! Oh, waouh! C'est super bon! Oh, je suis trop jalouse! Elle est toujours en train de la manger? Elle prend son temps et moi, je meurs de faim! C'est le pire jour de ma vie! Ouf! Je me sens toute ramollie! C'était trop bon! À ton tour! Hé, tu dors? Elle n'avait sans doute plus d'énergie. Oh, je devrais peut-être soulever sa cloche. Elle a un mini distributeur de bonbons! Je ne vais pas me gêner! Il est tout petit, trop mignon! Je suis sûre que ce bonbon va lui donner un regain d'énergie et va la remettre sur pattes. Waouh! Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ouais, le bonbon a eu l'effet attendu. Waouh! Elle est vraiment survoltée maintenant.
Allez, on les ouvre ensemble. Waouh, j'ai un œuf géant. Pas possible, il est énorme. Moi, j'ai plein de petites boîtes. J'adore les objets miniatures. C'est délicieux. Et il y a même un petit mot. Oh, c'est adorable. Tellement romantique. Quel bel endroit pour admirer un coucher de soleil avec toi. Allez, il est temps de goûter à ma surprise au chocolat. Donc, je ne m'attendais pas à ça. C'est entièrement bleu et ça sent trop bon. J'attaque. Oh, ce n'est pas du chocolat. Oh, c'est quoi ça? Ma surprise au chocolat était étonnamment décevante. Je n'arrive pas à croire qu'il y avait de la mousse à l'intérieur. Désormais, c'est moi qui vous contrôle. Je ferai ce que vous voudrez, madame. Je suis là pour vous servir. Hé, pas d'hypnose. J'ai jamais le droit de m'amuser. Premier et dernier avertissement. Voici votre premier défi. Je veux que vous prépariez un bon dessert. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vilain vampire. J'ai besoin d'un verre. Et de mes ingrédients. Heureusement, j'ai tout sur moi. Je vais commencer par ces biscuits. Je les gardais pour Betty. Je vais les disposer dans une assiette. Et maintenant, je vais en faire de la poudre. C'est le quart d'heure destroy. Prenez ça. C'est du rock qu'on entend? Hein? Je suis sûre d'avoir entendu... Enfin, je croyais. C'est impossible. J'ai dû rêver. Ça fait un bien fou. J'ai besoin d'une cuillère. Je vais mettre les miettes de biscuits dans ce verre. Ensuite, j'ajoute une couche de fraises. Puis je couvre le tout de crème. Je remets une couche de fraises, puis une de crème. Waouh, c'est appétissant. Je le mangerai bien. Et des fraises, et de la crème. C'est du grand n'importe quoi. Ça a l'air délicieux. Oh, merci ma chérie. Nanère. Ça te plaît ça? Tu es facilement impressionnable. Je peux faire mieux que ça. J'ai des petits pains à la cannelle. Je les déroule et les place dans une plaque de cuisson. Je vais les étaler comme ça. Je recouvre toute la plaque. Ensuite, je prends du sirop de fraises. J'en verse sur les pains. Ce sirop me fait penser à quelque chose. Et ça me donne faim. Je veille à ce que les petits pains soient bien imbibés. Fastoche, non? C'est un vrai délice. Waouh, c'est parfait. C'est collant, gluant et sucré. Et voilà le travail. Excuse-moi, tu disais? Ça alors? C'est une blague? Ohé, debout! J'ai eu une telle frayeur. Garde ça loin de moi. Le choix ne devrait pas être trop difficile. Voyons ce que vous avez préparé. Tu as essayé et c'est déjà bien. Mamie, tu sais que je suis fan de ta cuisine. J'ai pris ma décision. Mamie l'emporte. Moi? Oh, merci, Betty. Rien de tel qu'une tasse de thé bien chaud. Oui, c'est brûlant. Je vais utiliser une paille plutôt. Attendez, c'est l'heure du prochain défi. Je veux que vous fassiez des nouilles. C'est l'un de mes plats préférés. Ouais, ça je sais faire. Une petite seconde. Ce thé a un drôle de goût. Donnez-moi ça. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais également prendre des bonbons. Je pense que ça peut le faire. C'est parti. D'abord, je fais fondre les bonbons. C'est rapide. J'ai placé des pailles dans un verre. Je vais verser les bonbons liquéfiés par-dessus pour les remplir. Ensuite, j'attends que ça refroidisse. Ça doit être bon. Je place les pailles dans une assiette et j'en extrais les bonbons. C'est amusant et très satisfaisant. Même les vampires ont besoin de se détendre. Et voilà, des verres en bonbons. Ces biscuits sont parfaits. Waouh, c'est comme ça que ma mère les préparait. Sauf que les siens frétillaient un peu plus. Mais je suis quand même contente de moi. J'en ai l'eau à la bouche rien qu'à les regarder. Oh, et si j'en goûtais un?
Burk, écœurant! Attendez, j'ai une idée! J'ai toujours un sachet de nouilles sur moi en cas d'urgence. On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin. Je vais les mettre dans un bol, il manque quelque chose. Ah, te voilà! Tu m'as manqué! Il me faut un œuf, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu veux que je t'encourage? Je peux le faire! Allez, ne lâche rien! Les humains sont étranges. Côte, côte, côte! Tu as réussi! À plus tard! Excellent! Maintenant, je vais casser l'œuf dans le bol. Ensuite, il me faut de l'eau bouillante. Il faut que ça cuise. Heureusement, j'ai ma bouilloire. J'immerge les aliments. Personne n'aime les œufs ou les pâtes crues. Oh, il en reste un peu. Juste assez pour me faire un thé. Je vais le boire en attendant. Ah, ça fait du bien. Voilà, je crois que c'est prêt. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas ce que je préfère. À toi de jouer. Quel plat est-ce que tu préfères? Vous avez déjà fini? Je m'attendais à mieux de ta part, mamie. C'est de la terre, ça? Waouh, très original. Le choix est vite fait. Le vampire gagne. J'en ai jamais douté. Je crois que je vais être malade. Quel shampoing est-ce que vous utilisez? Ne me touchez pas. Vos cheveux sont si soyeux. J'ai jamais fait un aussi beau dessin. Pour le prochain défi, vous allez préparer un gigantesque et magnifique burger. Pas de problème, je gère. Il faut juste que je consulte mon livre de cuisine. Je suis sûre qu'il y a une recette là-dedans. Non, toujours rien. J'ai sommeil. Comment elle peut s'endormir comme ça? Elle n'a même pas de cercueil. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas évident. Oh, mes crocs! Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Je dépose le fromage sur une planche à découper. Je découpe ensuite deux petits triangles. Il ne faut pas que je tremble. Ils doivent faire la même taille. Ils sont parfaits. À croquer, je dirais même. Maintenant, je vais monter mon burger. Waouh, c'est fantastique! C'est le genre de burger que j'aime. Il manque juste une chose. Et voilà le travail. Attendez, j'ai failli oublier. Où est-ce que tu étais passé? Je suis désolée, ça ne me plaît pas de faire ça, mais... Bouh! Ça marche à tous les coups. Je vais mettre les yeux sur des pics en bois et les planter dans le pain. Et voilà, un monstre burger. Comme il est mignon. Ce serait presque dommage de le manger. Hé, petite fille, j'ai terminé. Waouh, il est vraiment génial! Je l'adore! Hein? Où suis-je? Oh, le burger! Je vais avoir besoin d'un coup de main. Des sushis? Pas du tout! Allez! Ah, voilà ce que je cherchais! Que je suis maligne! Une livraison express! Pas un mot! Personne n'en saura jamais rien! Tu sais que j'ai tout vu, pas vrai? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles! Je suis très déçue, mamie! Le vampire qui fait peur a gagné! C'est ce que je pensais! Allez, goûtez-en un! J'en veux pas! Vous ne savez pas ce que vous ratez! Vous voulez une araignée géante? Oh, vous êtes adorable! Hé, le défi n'est pas terminé! Concentrez-vous! Vous allez préparer un sandwich! C'est parti! Et mon araignée alors? Oh! J'ai un plan! Psst, psst, psst. Je compte sur toi, hein! Ne me déçois pas ou je te mange! Je ne plaisante pas! Oh, le revoilà déjà! Bien joué! Merci beaucoup! J'ai bien fait de t'épargner. Pour l'instant, je peux encore changer d'avis. Hé, hey, c'est de la triche! Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Peu importe, j'ai un sandwich à préparer. Je vais commencer par une tranche de fromage, puis une autre de jambon bien frais. Enfin quelque chose de normal! Ça, c'est ce que vous croyez. Je vais le pimenter un peu. Non! Pas de piment! Ça va être chaud, chaud, chaud. Non, non, non! Rien ne peut m'arrêter. Place à la découpe. Je vais lui donner une forme de cercueil. Et maintenant, place à la touche finale. Ta-da! Pas mal, hein? Éloignez ces trucs de moi! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je vais vous montrer comment faire un sandwich. Ce n'est pas compliqué. D'abord, j'étale une généreuse quantité de beurre. Il n'y en a jamais trop. Puis, j'ajoute du fromage. Et voilà! Simple et délicieux. Un instant, je suis d'humeur aventureuse. Je vais rajouter du fromage.
Je fais des folies. Et voilà un sandwich digne de ce nom. Non, je ne devrais pas. Ou peut-être que si. Encore, encore. Je n'en reviens pas de faire ça. Attendez que je raconte ça aux filles du club de tricot. C'est une tour sandwich au fromage. Je vais le mettre au four. Miam, il est tout fondant. Je suis sûre que Betty va adorer. C'est un chef-d'œuvre. Je n'ai plus qu'à le découper en deux. C'est le moment de vérité. Oh, waouh! Voilà un sandwich réussi. C'est ça votre grande surprise? Ne soyez pas vilaine. C'est bien mieux que les vôtres. On va vite le savoir. Tout ce fromage? Ouais, non, je vais pas manger ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qu'on a là? J'aurais mieux fait de me taire. Est-ce que c'est de la sauce pimentée? Burke, il me faudrait un extincteur pour manger ce truc. Bon, la gagnante est... personne. Quoi? Tant pis, on se serre la pince. Ami. Elle veut jouer, on va jouer. Je dois juste maquiller tout mon visage de blanc. Même les sourcils. Et ensuite? Toutes les lignes dessinées. Comme la ligne des cheveux. Heureusement, mes cheveux sont déjà noirs. Et voilà, des sourcils broussailleux pour aller avec. Ensuite, on passe aux yeux. La couleur rouge donne l'impression qu'ils sont enfoncés. Ensuite, le noir aide à donner un air encore plus fatigué. Bonjour, les petites rides. Ça fait des siècles que je vis, pas vrai? Alors il me faut vraiment plus de marque du temps. Tu peux aussi utiliser du violet pour marquer encore plus les traits. Hé, on y est presque. Le détail qui change tout, des joues creusées. Et peut-être une fossette au menton. Il ne doit rester aucun centimètre de peau rose. Plus il y a de noir, mieux c'est. L'étape suivante, les dents. Et elles viennent juste de goûter à la chair fraîche. Ne t'inquiète pas, ce n'est que du maquillage. Dites bonjour au roi des vampires. On se voit en cours de maths? Hé, hey, qui a éteint les lumières? Je ne vois personne. Qu'est-ce qui cloche avec ce truc? Pas important. C'est sûrement une coupure de courant. C'était quoi ça? Hé, hey, qui est là? C'est un mot? Un peu bizarre. Là, je commence à m'inquiéter. Je devrais le lire? Je ne sais même pas pour qui il est. On dirait une carte. Tourne-toi. Oh oh. Il y a quelqu'un? Oh mon Dieu. C'est... Je m'appelle Dracula, chérie. Boum. Ça valait le coup de regarder tous ces tutoriels de maquillage. Ah, une nouvelle soirée film. Dommage que ce soit chez Brian. Il n'arrête pas de parler. Je vais monter le son. Je t'entends toujours. Allez. Hein? Je ne peux pas monter plus fort. Oh, on dirait qu'il est temps de refaire un plein. BRB. Ça veut dire je reviens en anglais. J'espère qu'il ne reviendra jamais. Est-ce qu'il s'estère parfois? Je connais une manière de lui clouer le bec. Clouer, c'est ça. Utilise tes dents pour me mordre. Ah oui? Non! Pas pour de vrai. Oh! Oui! Oui! Sur une feuille de papier cuisson, dessine une étoile avec un pistolet à colle. En fait, fais-en deux. Maintenant, laisse-les sécher. Utilise de la colle spéciale pour maquillage et colle l'étoile sur ta peau.
utilise une éponge à maquillage pour faire fondre l'étoile avec ta peau. Remplis le centre avec de l'eyeliner noir. Ensuite, mets un peu de maquillage rouge au-dessus. Un peu de faux sang donnera vraiment l'impression que c'est vrai. Utilise un liner rouge pour faire des points autour des morsures. On dirait vraiment que le sang a éclaboussé. J'ai trouvé de la nourriture. Quoi? David? Chloé fait vraiment ce que je vois? Je pars vite de là. Ça a carrément marché. Ah, bien joué. Oh, regardez-moi ces deux tourtereaux. Qu'est-ce que t'as sur les genoux? Pour moi? Qu'est-ce que c'est? Merci. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Tu t'es souvenu de notre anniversaire? T'es sérieux? C'est censé être drôle? Oh, je ferais mieux de répondre. Sauvé par le gong. Il veut m'offrir de l'ail? Moi aussi, je peux entrer dans son jeu. Prends une tête d'ail et plante une brochette dedans. Ensuite, fais fondre du chocolat dans un bol. Voilà, plonge bien l'ail dans le chocolat. On ne dirait plus que c'est de l'ail, pas vrai? Serveur, vous pouvez revenir nous servir ça, s'il vous plaît? Pardon, c'était le travail. Vos chocolats, monsieur? Ce ne sont pas les miens. Mais je ne dirais pas non à du chocolat gratuit. Bien, c'est parti. Juste une grande bouchée. C'est de l'ail? Oh, j'ai besoin d'eau, tout de suite. C'est le goût le plus horrible du monde. Joyeux anniversaire, chérie. Vous ne faisiez pas vraiment partie de l'action. Oh, je vais aller chercher votre addition. Oh, salut Marianne. Il veut qu'on se retrouve au café? Je ferais mieux de m'habiller dans ce cas. Une veste en cuir? Je suis sûre que ça me va bien. Oh, j'avais oublié, je ne me vois pas dans le miroir. Ça craint vraiment d'être un vampire parfois. Si seulement j'étais un peu plus humaine. Hé, David, dis-moi, je suis comment? Ça va. C'est vrai. Mais je veux être mignonne pour mon rencard. Il te faut peut-être un peu de maquillage. Tu veux me maquiller? D'accord. Tu n'en as pas mis assez. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est ce que j'appelle sublime. Bon, il n'y a vraiment pas de quoi. Amuse-toi bien. Où est-ce qu'elle est? Oups. Personne n'a rien vu, j'espère. Reviens là. Ah. Salut, Brian. C'est moi. Chloé? Je vois bien ça. Désolé d'être en retard. Wow. C'est vraiment Chloé, hein? Alors... Oh, désolé, j'arrive. Oh, d'accord. Il est en train de me poser un lapin. J'ai quelque chose dans les dents. Je veux me voir. Oh. Oh. Qu'est-ce que je m'ennuie. Oh, je sais comment la réveiller. Qu'est-ce que tu dis d'un peu de karaoké? Quoi? Oh non. Tout, mais pas ça. La 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 la. Non, ce sont les sirènes. Ashley, arrête! C'est horrible! Ça me fait mal aux oreilles.
Ashley, je pense que c'est mauvais signe. À mon avis, tu devrais poser ce micro. Ouh, yeah! Hein, elle dort encore? Non, maman, j'ai pas envie d'aller à l'école. C'est peut-être pas assez fort. Ouh, la la la! Qui lui a dit qu'elle chantait bien? Ah, toujours pas? Elle est difficile, dis donc. C'est parti! La 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 la! Hé, hey, assieds-toi! Il faut que je fasse quelque chose. Je reviens tout de suite. Ouh, la 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 la! Elle s'arrête jamais. J'arrive pas à croire que je sois obligée de faire ça. Doudi doudi da 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 da! Pitié, faites que ça s'arrête. J'en peux plus! Elle va réveiller les morts. Faites-moi signe quand elle aura fini. Allez, tous encore! Wouhou! Tais-toi! Bon, ça suffit. Une petite seconde. J'ai une idée. Je suis prête à tout essayer. J'ai besoin d'un rouleau de papier toilette. Je vais couper le tube en deux. Je garde une partie. Et je mets du scotch au bord. Je fais le tour. Voilà, ça devrait aller. Maintenant, je vais y faire de petites entailles. Je les espace de façon régulière. Comme ça. Ensuite, je vais avoir besoin de mon autre main. Je scotche le tube dessus. Et j'attrape mon fond de teint. J'en mets sur le tube. Et je l'étale avec mon pinceau maquillage. Je recouvre le tube et le scotch. On ne doit plus rien voir. Je continue d'en appliquer sur ma main et sur mes ongles. Puis, j'applique de la poudre. Une fine couche devrait suffire. Je vais éclaircir légèrement le ton. C'est pas mal. À présent, je prends un feutre. Et je trace une ligne en travers de ma main. Il faut que ça ait l'air d'une cicatrice. Je colorie légèrement mes ongles. Puis, je dessine des cicatrices sur mes doigts. Waouh, c'est trop chouette! Et effrayant aussi. Un véritable cauchemar. Il est temps de faire taire Ashley. Et si j'éteignais la lumière? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mindy? C'est toi? Qui est là? J'aime pas ça! N'approche pas! Je fais du karaté! Montre-toi! C'est quoi ça? Quelque chose m'a touchée! Elle est derrière moi, c'est ça? Hein? Il n'y a rien! C'est trop bizarre! Ça doit être mon imagination! J'ai eu super peur! La lumière s'est éteinte et quelque chose m'a touchée! T'as raison, c'est vraiment étrange! Attends, c'est mieux là? Phew, merci Mindy! Quel soulagement! Oh non, c'est pas possible! C'était bien réel! Hein? Tu l'as dit! Quoi? Du calme, c'est juste ma main, regarde! Il n'y a pas de quoi en faire un plat! Que se passe-t-il? Qu'est-ce que... C'était toi? Ah, tiens, vous êtes réveillée? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas moi, c'est la main! T'es sûre que c'est une bonne idée? Waouh, c'est quoi cette chose? J'ai une nouvelle robe, je suis sûre qu'elle t'irait bien. Ah, voilà la prof! Bonjour les enfants, joyeux anniversaire à moi! Oh, qu'est-ce que c'est, j'ai hâte de le découvrir! Attends, c'est son anniversaire? On n'a pas de cadeau? Et alors? Il faut qu'on lui offre quelque chose! J'ai une idée, je dois avoir un truc dans mon sac. Non, je vais pas lui offrir un canard en plastique. Non et non, il n'y a rien qui fait l'affaire. Je suis à court d'idées. T'as déjà baissé les bras? Bon, laisse-moi voir. J'ai peut-être quelque chose à lui offrir. Tu te balades avec un sac poubelle? Ah, d'accord, j'ai compris. Tu crois qu'elle aime les insectes? Non. Oh là, faut pas qu'Ashley voit ça. Je t'adore, mon nounours. Bon, où j'en étais? Non, j'ai rien du tout. C'est pas grave, je vais passer un coup de fil. Allô? C'est pas si important. Merci pour votre aide. Waouh, c'était rapide. Elles sentent très bon. Des fleurs? Elles sont magnifiques, sens-les, tu vas voir. Je déteste les fleurs. Je veux dire, je suis allergique. Ça me donne une idée. Je vais peindre la paume de ma main. Je vais peindre une fleur. Je vais faire les feuilles et les pétales sur mes doigts. C'est très important de le faire sur un fond noir. Pour obtenir quelque chose de très spécial. Une fois que c'est fait, je la remplis. Je vais devoir mettre beaucoup de peinture noire. Ensuite, j'ajoute des couleurs. Pour les pétales, j'ai choisi un gris argenté. Pour que ça les fasse ressortir.
et un vert éclatant pour les feuilles. J'utilise des nuances plus claires pour créer du contraste. Après ça, il me suffit de peaufiner un peu le tout. Je repasse sur les pétales pour ajouter des détails. Et je souligne les contours. Voilà, je pense que c'est bon. Je suis assez fière de moi. J'adore ces fleurs. Regarde, Ashley, qu'est-ce que t'en dis? Tu aimes les fleurs, pas vrai? Oh, c'est toi qui as fait ça? Oui, ton bouquet m'a inspirée. Comme quoi? Viens, on va les offrir à la prof. Madame! Oui, qui a-t-il? On a quelque chose pour vous? C'est pour moi, vraiment? Oh, c'est très gentil. Moi aussi, j'ai une surprise. Waouh, c'est magnifique. Je n'ai jamais vu rien de tel. Une seconde, je vais prendre une photo. Waouh, j'adore! Je crois que ça lui plaît. C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. Il est important de bien s'hydrater. J'avais envie de changer de style. T'as pas une idée? C'est à moi que tu demandes ça. T'as qu'à te teindre en brune. Tu sais, je me disais que le blond s'attirait bien. C'est ça, dans tes rêves. Et on pourrait avoir quelque chose à faire. Hein? Oh, bien sûr, laissez-moi réfléchir. Ça y est, j'ai trouvé. Que diriez-vous d'un soupçon de magie? Les coccinelles, c'est trop mignon. Et voilà. Waouh, regardez, c'est trop cool. J'ai l'impression d'être une princesse Disney. Waouh, merci. Bien, à ton tour, Mindy. J'ai exactement ce qu'il te faut. Je pense que tu vas adorer. Une seconde, pas si vite. Recule! Je ne plaisante pas. Mets-toi à l'aise. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne m'était jamais arrivé avant. Oups! Berk, de la couleur! Oh non, j'ai horreur de ça! Fiche le camp d'ici! Oh, j'adore les papillons! Ça me rend tellement heureuse! Oh, je l'ai échappé belle. Par contre, moi j'ai toujours rien. Une seconde. Une coccinelle me serait utile. N'aie pas peur. Tiens, mets-toi là. Voilà, prends la pose. Tu m'as inspirée. D'abord, je dessine un triangle. Puis, je trace des lignes. Ensuite, je fais un demi-cercle de chaque côté. Puis, une tête et des antennes. Puisque c'est une coccinelle, il lui faut des pois. Je vais colorier les pois en noir. Voilà, parfait. Et maintenant, du rouge. Je vais contourner les pois. Il faut que je fasse attention à ne pas dépasser. Ce rouge est tellement vif. Je vais faire le corps en jaune. Et voilà, ma propre coccinelle. Elle est belle. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je la trouve réussie. Waouh, c'est son portrait craché. Tu es très douée, Mindy. Je suis impressionnée. Je sens qu'on va devenir de très bons amis. Ashley? Ohé! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Un instant, s'il vous plaît. Je vais dessiner un cœur. Puis, je vais poursuivre mon trait vers l'extérieur. Là, ce sera les ailes. Une touche de rouge et c'est bon! Voilà! Il est beau, hein? Beau travail, Ashley. J'ai de la chance que vous soyez dans ma classe. J'adore ta coccinelle. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Oh, voilà la chose! On dirait qu'elle cherche à nous donner un truc. C'est un pop-it? Oh, joli rattrapage! Il y en a un pour moi aussi. Génial! Vas-y, lance-le-moi! Regardez, j'en ai un en forme de cœur. J'adore les cœurs! Oh, c'est quoi cette fois? Des bonbons en chocolat? Ouais, moi aussi, j'ai eu des chocolats! C'est trop bien! Oh, je crois que je sais ce que je dois faire. Je suis pas fan des bonbons en chocolat. Allez, ciao! Salut les yeux en gélatine. C'est quand même 1000 fois mieux. Je prends mon dinosaure. Mais puisqu'il est très coloré, je vais ajouter quelques araignées. Et comme si ce n'était pas assez, je vais aussi ajouter quelques vers. Des vers, des araignées, des dinosaures. Que demander de plus? Oh, regardez ce joli bonbon bleu! Qu'il est beau! Je vais le mettre juste ici. Super! Il rentre pile poil! Mais il va me falloir du chocolat. Oh, regardez comme le chocolat coule dans l'entonnoir! Et maintenant, je n'ai plus qu'à le verser par-dessus les bonbons. Je ne sais pas comment je fais pour me retenir de tout manger. Regarde comme le chocolat remplit parfaitement le pop-it. Et maintenant, il est temps d'ajouter quelques-uns de mes globes oculaires en gélatine. Regarde comme ils sont mous et gluants. Je vais en mettre par-dessus mes vers et mes araignées.
Il va aussi falloir que j'y incorpore du chocolat. J'adore les râpes métalliques. Trop stylé. Je vais simplement râper le chocolat. Ces copeaux de chocolat ressemblent à des flocons de neige gothique. J'adore. Très bien, madame. Je vais m'occuper de votre manucure. Je vais commencer par vous limer les ongles. Je pense que cette couleur lavande ira à merveille avec votre teint. Maintenant, allez vous asseoir sous la lampe pour que ça sèche. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Oh, je sais. Cette lampe devrait permettre de faire fondre mes copeaux de chocolat. Je vais simplement le régler sur la luminosité la plus élevée. Ça ne devrait pas prendre trop de temps pour que tout soit fondu. Je parie que tout est en train de fondre sous la chaleur. Mon dinosaure est prêt. Il est vraiment affreux. J'adore. Mais il ne ressemble pas à un dinosaure. Je suis déçue. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. La chose! Regarde, j'ai terminé mon cœur en chocolat. Regarde, je peux la démouler. Et voilà le travail! Quoi? La chose a déjà choisi la gagnante? Elle? C'est tout à fait inacceptable! Oh! J'en reviens pas que tu viennes de bousiller sa manucure. Quoi? C'est elle qui gagne finalement? Oh! C'est évident que c'était le meilleur choix à faire. Oh mon Dieu! C'est trop mignon! Regarde, est-ce que tu vois ce que je vois? C'est génial! Elle est en train de faire de l'exercice! Regardez sa tenue de sport! ça m'a donné une idée. J'ai faim. Il faut que je passe un coup de fil. Bonjour, je voudrais de la nourriture, tout de suite. Excusez-moi, mademoiselle, voici votre poulet frit. Bien. Ce poulet est effectivement bien pané et frit, mais peu appétissant. Ça sent tellement bon! Attends, tu veux des donuts? Ils sont plutôt bons. Et ce n'est pas du poulet frit. On fait un échange. Ouais, je veux bien échanger. Waouh, j'adore le poulet frit! Ces beignets colorés sont bien meilleurs que du poulet frit. Par contre, les couleurs, ça ne va pas le faire. Voilà, les donuts gothiques, c'est beaucoup mieux. Ils sont aussi noirs que mon âme. Et maintenant, je vais me régaler. Ah, du bon poulet frit! Et vous savez ce qui se marie bien avec les aliments salés? Les aliments sucrés, comme du chocolat fondu par exemple. Oh, je sens que ça va être un délice. Viens par ici, petit poulet. C'est vraiment bon. J'adore. Ouais, c'est vrai que c'est assez satisfaisant. Cela me va droit au cœur. Je crois que je vais manger un autre donut. Les donuts et le chocolat vont si bien ensemble. Ce donut est encore meilleur avec une dose de chocolat en plus. Je ne peux pas m'arrêter de manger ce poulet frit. Waouh, tu as un peu pété les plombs, on dirait. C'est un dinosaure fait d'eau de poulet. On dirait que la chose s'entraîne toujours. La chose? Qu'est-ce que tu en dis? Ohé! Oh, elle soulève des poids maintenant? Je me demande combien de répétitions il lui reste. Ah ouais, c'est moi qui ai gagné cette fois! Je le savais! C'est une blague. Elle l'a encore choisie comme gagnante. C'est la deuxième fois qu'elle l'a choisi comme vainqueur. Mais la dernière fois, je lui ai jeté quelque chose et elle a changé d'avis. Il me reste un donut. Je pourrais recommencer. Prends ça. Ouais, en plein dans le mille. Encore. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Bien, au moins, j'ai toujours le reste de mon donut. J'ai gagné. C'est moi la meilleure. Je suis trop forte. J'ai gagné et j'ai mangé du poulet. Waouh, cette fête de main déchire. La musique est top. Oh, c'est juste de la musique et des mains qui dansent. Rien d'impressionnant. D'ailleurs, je commence à m'ennuyer un peu. Tiens, on dirait les ballons de la fête. Génial! Oh, moi aussi, j'en ai eu un! J'adore les ballons! Merci, la chose! Pourquoi tu es si contente? Ce ne sont que des ballons, rien de plus. Rien de plus? Tu plaisantes? On peut s'en servir avec la fontaine en chocolat. Regardez comme le chocolat recouvre le dessus du ballon. Ah d'accord, c'est vrai que ça a l'air chouette. Mais qu'est-ce qu'il se passe si je prends l'un de mes ballons et que je fais ça? Je t'ai eu! Tu as du chocolat partout sur le visage. Oh, eh bien, c'est que du chocolat. Je vais en rajouter sur mon ballon. Oh, regardez comme ça a l'air bon. Ah, c'est pas vrai! T'étais pas obligée de recommencer. Bien sûr que si. C'est tellement amusant à chaque fois. Oh, on dirait que j'ai explosé tous les ballons que j'avais. Dommage. Attendez, je crois que j'ai la solution. Je peux utiliser ce bubble gum. Je vais juste en découper un morceau. Là, ça devrait aller. Je vais devoir le mâcher pour l'assouplir. Ça doit être bon. Maintenant, je vais faire une bulle. Wouhou, depuis quand est-ce que tu sais faire des bulles aussi bien? Parfait, maintenant j'ai un ballon en chewing-gum.
et je peux le placer sous la fontaine de chocolat. Incroyable! C'est le truc le plus malin que j'ai jamais vu. C'est vrai que je suis super maline. Le chocolat continue de me couler sur les doigts. Il faut qu'il durcisse et qu'il arrête de me goûter dessus. Tu comptes continuer de souffler jusqu'à ce que ça durcisse? Oui, car maintenant qu'il a durci, je peux retirer le ballon de chewing-gum. Et pour la prochaine étape, je prends mes yeux en gélatine. Je vais les mettre dans le bol en chocolat que je viens de fabriquer. Et hop! Mais je ne vais pas laisser ça comme ça. J'ai aussi des gaufrettes au chocolat. Je vais casser ce morceau de Kit Kat. Et je vais l'ajouter dans le bol avec les bonbons. Hein, c'est pas beaucoup. Je vais en mettre deux pour être sûre. Voilà, un bol en chocolat avec des yeux en gélatine et des gaufrettes au chocolat. C'est exactement ce que je m'étais imaginé. C'est une réussite. Waouh, ça a l'air délicieux. C'est incroyable ce que tu as fait. Je sais. Et apparemment, la chose est d'accord puisque c'est moi qui ai gagné. Oh, regardez toutes ces petites mains en train d'applaudir. Félicitations pour ta victoire. Oh, c'est vrai. Pas de câlin, j'ai compris. Oh, regardez! Notre adorable petite chose fait une sieste! Oh, elle est réveillée! Salut la chose, tu as bien dormi? Oh, regardez! On dirait que le prochain thème est le petit déjeuner! Oh, le petit déjeuner, vraiment? C'est le repas le plus nul de la journée! Je vais reprendre ma base habituelle, les yeux en gélatine. Ça c'est un petit déj de champion! Ils sont tout gluants et ils ne nous quittent pas des yeux! Excellent! Il est temps de l'embrocher en plein milieu! Ouais, regardez la pique en bois traverser l'œil. C'est parfait. Maintenant, je vais les mettre sous la fontaine de chocolat. Je veille à ce que l'œil soit entièrement recouvert. Pour ça, je le fais tourner afin de recouvrir toute la surface. Voilà, maintenant, je vais enfin pouvoir manger des yeux au petit-déj, comme je le voulais. Attendez, c'est quoi ce bruit? Oh, ce ne sont que les yeux qui se remettent à crier. Oh. Pourquoi est-ce qu'elle mange des trucs aussi répugnants? Quoi encore? Oh, il cligne des yeux. Bon, ça va. Arrêtez de me regarder comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle leur parle? Elle est de plus en plus bizarre. Bon, elle a ses yeux, mais moi, qu'est-ce que je vais faire pour le petit déjeuner? Oh, j'ai une idée. Et pour ça, je vais avoir besoin de quelques mèches. Qu'est-ce qu'elle fabrique avec ses ciseaux? Allez, c'est parti. Coupe, coupe, coupe. Juste une petite mèche. Qu'est-ce que... Comment est-ce qu'elle a fait ça? Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Bien, il m'en faut une autre. Un peu de rouge, ce serait parfait. Et encore quelques-uns. Regardez toutes ces belles couleurs, je les adore. Bien, maintenant je prends une poêle à frire et de l'huile. Je fais griller un pain dans la poêle, puis je le retourne. Et maintenant, je peux y mettre trois de mes empreintes de pâte. Ouais, regardez-moi ça. Elles ont complètement fondu comme je le voulais. Ça sent bon et ça a l'air bon. J'ai hâte. Je vais juste découper ça en deux. Ce sera plus facile à manger. Oh, regardez comme c'est fondant! C'est incroyable! Qu'est-ce que tu fabriques avec ta nourriture bizarre? Eh bien, maintenant, je vais tremper mon pain dans la fontaine de chocolat. Le chocolat, c'est ce qu'il y a de meilleur au petit-déj. C'est encore meilleur que ce que j'espérais! Waouh! Eh bien, tant mieux pour toi dans ce cas. Carrément, c'est tellement bon! Ne sois pas jalouse! C'est le meilleur petit-déj que j'ai jamais fait! Regardez! La chose m'a désignée comme la gagnante! Ouais, c'est bien. Je n'en ai plus rien à faire. Les ouvres, tu crois? Elles ont l'air chères! Je me demande si elles sont à ma taille. Elles sont stylées, en tout cas. Elles m'ont l'air assez résistantes. Voyons voir. Tout a l'air si différent. Est-ce que c'est un... Hein? Je le revois! Ce burger est vrai ou pas? Je n'en crois littéralement pas mes yeux! Oh, reviens, burger géant! J'espère qu'il y a plein de mayonnaise dedans. En plus, il sent super bon. Allez, j'attaque. Comment est-ce que je croque dedans? Peut-être en m'y prenant d'un angle différent? Hé, hey, tu prends tout pour toi! Donne-le-moi! Ah! Le burger est passé où? Il est en grande partie dans mes cheveux. Comment est-ce qu'on est censé le manger maintenant? Mais si j'enlève les lunettes, il n'est plus là. Attends, moi d'abord. D'accord. Et je soulève. Trop belle! Les roses roses sont mes fleurs préférées. Peut-être qu'elles ont été envoyées par un admirateur secret. Et si c'était un prince qui me les offrait? Un cadeau de mon seul et unique amour?
Et on vivra heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Oh mon Dieu. Et pour moi, j'avais besoin d'un nouveau peigne en plus. Et il suit à merveille avec tout mon attirail. Beaux cheveux soyeux, j'arrive. Attends, pourquoi est-ce que mes cheveux n'en finissent pas? Cette mèche fait quelle longueur? Wow, mes cheveux sont super longs maintenant! Le peigne doit être magique! Princesse? Oh, vous devez être mon prince charmant! Donnez-moi ça! Ils sont pour vous! C'était censé être mon histoire d'amour! Oh, vous êtes tellement amoureux! Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, des cheveux magnifiques! Hein? Où sont passées mes mèches sublimes? Désolée, j'ai eu faim. Ah oui? Hé! Hey, je vais toutes les manger! D'accord. Je ne m'avoue pas vaincue. Je vais commencer cette fois-ci. C'est une énorme pastèque! Mais je n'ai même pas de couteau! Hein? Comment tu es censé manger ça? Attends une minute, je n'ai pas besoin de couteau. J'ai une grosse colère refoulée! Largement suffisante pour casser ce fruit! Oh là là! C'est fini? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce truc? L'intérieur est entièrement noir! Ma couleur préférée de toutes! Je vais couper une tranche. Ha! C'est la portion parfaite de pastèque! Et je suis sûre qu'elle est délicieuse! J'attaque! Bon, je ferai mieux d'ouvrir le mien. Ouah! Ce sont des crânes! Ce ne sont pas des vrais, hein? Bien tenté, mais ils sont à moi! Viens là, petit bonhomme! N'aie pas peur d'un petit crâne! En fait, ils sont plutôt bons! C'est délicieux! Oh! Quelque chose est en train de m'arriver! Emma? J'ai l'impression que tout mon corps picote! Je ne touche plus à ces trucs! Tu aimerais goûter à certains de ces plats? Organise ton propre défi culinaire avec tes amis et mettez vos papilles à l'épreuve! N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo!